On peut tout. 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 On Bonjour, mesdames et messieurs les juges. Et confrères, consœurs, je voudrais poser une première question au témoin, puisqu'on en était resté à l'examen du document D-267-5-1.1.25. Et hier soir, nous nous étions quittés quand le président avait demandé au témoin de prendre le temps de ce matin de regarder ce document. Alors, je voudrais tout d'abord poser la question au témoin de savoir s'il a vu, il a pu regarder ce document et s'il se souvient que ce document lui a été présenté par les enquêteurs des juges d'instruction ou non. Nhóm tập nâng bàn khơi về ni. Monsieur le Président, avant qu'une décision soit prise concernant ce document, il me semble que je pourrais fournir des précisions complémentaires en ayant relu le procès verbal D-369-36, parce que monsieur le témoin a dit ne pas se souvenir de ce document, mais si vous regardez les questions 61 et 62 de ce document D-369-36, les choses apparaissent relativement claires. Et si vous permettez, et je vais soumettre ça également aux témoins, de pouvoir afficher cette page qui comporte ces deux questions, je pourrais alors aller de l'avant. Je crois que M. le greffier est en train de montrer les pages concernées aux témoins. Mr. President, perhaps the gentleman could inform us which pages they are so we can also look for them. Oui, effectivement, mais ce sont les questions et réponses 61 et 62 dans le document D-369-36. Je crois que c'est plus facile de se référer au numéro de la question et de la réponse que au numéro d'hier. Alors, la question 61 était la suivante. Concernant les réunions d'introspection, je voudrais me référer au document D-267-5-1.1.25, IRN 0042-78-59, dans lesquels il est question de l'introspection du camarade Sim. Mais qui était en fait cette personne qui s'appelait Sim? Réponse de monsieur le témoin, Sim était un cuisinier. Il était sous ma responsabilité. De nos jours, il est domicilié dans la province de Siem Reap.
et suit immédiatement après la question 62, où il est dit, monsieur, est-ce que vous vous souvenez de qui est cette écriture-là? Quelle est la personne qui a écrit ce document en question? Réponse 62, je n'en sais rien du tout. Et puis ensuite, on continue avec d'autres questions qui ont toujours, en réalité, trait à ce même document. Et je pourrais, si c'est nécessaire, donner les numéros d'IRN du document, notamment la question 63, qui parle de 7 services différents au sein de B1, et c'est exactement le même libellé qu'on trouve dans le document. Donc il me semble que la réponse fournie à monsieur à la question 62, je n'en sais rien du tout, est clair. Peut-être que je peux poser la question au témoin. Lorsqu'on vous demande si vous reconnaissez une écriture, est-ce que cela veut dire qu'on vous a montré un document qui était écrit? Pardon, et je précise, écrit à la main. ខ្ញុំសួរថាតើឃើញឯកសារនេះទេខ្ញុំឆ្លើយថាអត់បានឃើញទេទើបឃើញនៅពេលនេះនេះសំណួរលោកពេលដែលខ្ញុំគេយកឯកសារមកឲ្យខ្ញុំមើលឯកសារហ្នឹងវាមិនមានឯកសារនេះឯកសារជាសិលឹកមួយសិលឹកពីរសិលឹកមួយសិលឹកពីរសិលឹកនោះក៏ខ្ញុំមិនបានថា Peut-être pourrez-vous nous dire si les deux pages que vous avez montrées ressemblent aux pages qui se trouvent dans le document qui vous est soumis aujourd'hui. ពេលនោះបាទតាមខ្ញុំចាំនៅពេលនោះឯកសារដែលឲ្យខ្ញុំឃើញមិនទម្រង់ដូចនេះទេហើយខ្ញុំក៏អត់បានផ្តិតមេដៃអីថាខ្ញុំបានឃើញឯកសារនោះដែរ. Monsieur le Président, avant de poursuivre les questions aux témoins, je voudrais simplement peut-être avoir demandé l'autorisation de développer un peu cette question, de faire référence alors, non pas à seulement les quelques questions que j'avais mentionnées hier, où apparaît le numéro de ce document, mais faire la liste de toutes ces questions qui, effectivement, ont trait à ce document. Et il n'y a pas que D369-36, il y a également les questions 1 et 2 du document D233-9. Et j'y vois une autre raison de soumettre ce document au témoin, c'est que des questions lui ont été posées et visiblement des documents lui ont été montrés puisque lui-même, dans ses réponses 1 et 2 du document D233-9, pensait que le document est véritablement un document de B1 parce qu'il a reconnu son propre nom ainsi que les interventions de Van à une réunion d'introspection à laquelle il a participé. Et cette réunion d'introspection, c'est également une partie du document qui est soumis aujourd'hui, qui porte à peu près sur une dizaine, une vingtaine de pages, une réunion qui a lieu à B1, une réunion d'introspection. Alors, voilà, je ne sais pas si j'ai l'autorisation d'aller plus loin dans cette démonstration ou si vous souhaitez à ce moment-ci prendre une décision là-dessus. Thank you, Mr. President. Perhaps before we go any further, there may be a few questions for precision's sake. Obviously, if you look at the document, D369/36, which the gentleman has pointed to,
there is clear indication that something was shown to him, and where he does indicate that he does not recognize the writing. The question then that needs to be posed is whether subsequently, where they make reference to pages, whether those pages were actually shown to the witness or whether they merely indicated to him that in this document, this is what is being told to you. Now, I raise this because obviously it may be a question of credibility. I'm not suggesting that the gentleman, the prosecution that is, cannot go into asking the questions where pages, specific pages were referenced in the interview, but perhaps the confusion may lie in that the document itself was not provided. And why do I say that? Because I see that at least one judge has this look of perplexion. Because if you look at the five documents, the five interviews, you will see often the investigators are saying, what if I were to tell you that there is a document with never showing the document? What if I were to say that a witness says such and such without naming the witness or the statement? So this may be an indication where they did show him the document initially. He said he didn't recognize it. They then proceeded in asking questions, noting which pages, but not necessarily allowing the gentleman to review the document itself, either in whole or in part. I think that's where the confusion may lie. So one technical question, whether he was provided the document itself or pages of the documents on each question that was posed. As I've indicated, I have no objections to questions being asked from pages that were referenced. As far as the earlier one, D233/9, I'm unable to follow the train of thought that the prosecution has alluded to. He's talking about a particular document. I don't know which document he's referring to. I suspect that we're going to go step by step. He's going to be able to identify the document that was actually shown to the witness, and we'll see what happens. But I think one technical matter just needs to be clarified, and then the prosecutor should be entitled to go into the pages that were referenced in this particular document. Thank you. អរគុណលោកមេធាវីសូមអញ្ជើញលោកត្រីមេធាវីមេធាវីអេលីសាបេតស៊ីមេណូហ្វរ Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les juges, et bonjour à tous. Je voulais simplement faire deux observations sur ce problème qui me paraît assez préoccupant de la production des documents. La première observation tient précisément à ce document-là et à ce qu'a dit Monsieur le Procureur. Dans le document D369/36, il y a une question 61 qui fait référence à ce document, et tout de suite après, la question 62 sur l'écriture. Donc je vois mal comment on pourrait penser qu'il ne s'agit pas de l'écriture de ce document manuscrit. Je crois qu'il y a deux façons d'établir qu'un témoin a vu un document. Il y a ce qu'il dit, et puis s'il ne se rappelle pas bien, il y a aussi des preuves objectives. Et je pense que la succession de ces deux questions est la preuve qu'il a vu ce document. C'est ma première observation. Ma seconde observation, c'est que votre Chambre a pris une décision sur la production des documents qui est une décision qui est préoccupante. Parce que les débats devant votre Chambre sont le moyen d'établir la vérité dans ce dossier. Et au cours de ces débats, nous évoquons à la fois des preuves testimoniales et des preuves documentaires. Et il me semble qu'on ne peut pas dissocier la preuve testimoniale et la preuve documentaire, et qu'il est intéressant, dans tous les cas, de pouvoir débattre de documents en même temps qu'on interroge des témoins. Et je m'interroge sur l'opportunité de ne pas pouvoir discuter de documents en présence d'un témoin uniquement parce que celui-ci dit qu'il n'a jamais vu le document. Je pense qu'on peut très bien montrer un document à un témoin. Ça ne veut pas dire qu'il devra faire des suppositions. On peut lui montrer un document qui est une preuve d'un côté et on peut lui demander ce qu'il sait de l'autre côté et croiser ces deux types de preuves.
Mais décider que un document ne peut pas être discuté et montré juste parce que le témoin dit qu'il ne le connaît pas, je pense que c'est se priver de moyens de preuve et je pense que c'est dommage. Merci. Merci, Monsieur le Président. សូមអរគុណលោកប្រធានលោកតំណាងសហប្រជាញាកំអល់តនមានយោបល់អីចាំស្ដាប់មេធាវីទិនសូមជួយលោកមេធាវីជាតិការពារក្តីលោកនាងជាសូមគ្រប់អង្គសារកាសូមគ្រប់លោកប្រធាន ការជជែកមិនដល់ពេលនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាសៀតសំទោសព្រិចបិទសាក់សៃបានឆ្លើយដាច់អហង្ការថាលោកអត់បានស្គាល់នៅឯកសារនេះទេ ទាំងព្រះញ្ញាទាំងមេធាវីដែលរងរដ្ឋបព្វនីមិនត្រូវបង្ខំខ្ញុំនិយាយពាក្យមិនត្រូវបង្ខំសាក់សីឲ្យឆ្លើយថាខ្លួនបានឃើញទេវាផ្ទុយគ្នាមើលហើយខ្ញុំសូមឲ្យតុលាការបើកាលណាសាក់សីឆ្លើយថាអត់ទទួលស្គាល់ទេតុលាការបានសម្រេចរួចហើយថានឹងដកឯកសារនឹងចេញ ហើយសូមឲ្យតុលាការសម្រេចទៅតាមការសម្រេចរបស់ខ្លួនតាំងពីពេលមុនមកសូមអរគុណបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅចំពោះមុខនេះវាមានចរិតលក្ខណៈខុសពីអ្វីដែលអង្គជំរះបានអនុវត្តកន្លងមកនៅក្នុងការបង្ហាញឯកសារចំពោះសាក់សីនៅឯកសារថ្មីដែល ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាតើសាក់សីធ្លាប់បានឃើញបានស្គាល់បានជួបប្រទះនៅឯកសារនោះពីមុនពេលដែលសាក់សីត្រូវបានកោះអញ្ជើញមកដល់ទៅខេត្តកំផ្ទាល់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះដែរទីប្រសិនបើសាក់សីគាត់ឆ្លើយច្បាស់លាស់ថាមិនដែលធ្លាប់បានទទួលបានស្គាល់បានជួប ឯកសារនោះទីគឺអង្គជំរះសម្រេចដកឯកសារនោះភ្លាមទាំងឯកសារកាជាកណ្ដាស់នៅចំពោះមុខសាក់សីក៏ដូចជាការដកចេញពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគឺចេញពីអេក្រង់កុំព្យូទ័រដែរប៉ុន្តែឯកសារនេះវាមានលក្ខណៈចរិតលាយឡែកផ្សេងពីឯកសារទាំងនោះ ដោយសារខាងសហប្រជាញាដែលមានបំណងដេញដោលឯកសារនេះគាត់បានផ្អែកទៅលើឯកសារ D369/36 ដែលបានជាកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយដោយអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យចក្រមស៊ើបអង្កេតដែលមានការពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹងការចងអល់បង្ហាញឯកសារនេះចំពោះមុខសាក់សីដែលមានព័ត៌មានសមល្មមជឿបានថាកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៃការស្ដាប់សាក់សីនាពេលនោះគឺទំនងជាមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់បង្ហាញឯកសារនេះនៅចំពោះមុខសាក់សីនៅក្នុងការដេញដោលទៅលើខ្លឹមសារនៃសំណួរចម្លើយដែលមានដែលចងអល់បង្ហាញដោយ តំណាងសហប្រជាញាអមាញ់មិញនេះហើយនៅក្នុងកំណត់ហេតុនេះមាន 4 ចំណុចដែលបានយោងចងអល់ទៅ ឯកសារ D267/5/1.1.25 ដែលកំពុងតែមានបញ្ហានេះបញ្ហាដែលកើតឡើងត្រង់ថាឯកសារមួយដុំដែលជាកំណត់ដៃដែល អះអាងនៅក្នុងសំណុំរឿងថាជា កំណត់ហេតុដែលយក
ban pi ka suong ka borate samai nu yok mok ni ku vie mon ban bang hai chun te sa say na knong damna ka su bang ket nung tiang srong te mien tae tompo muoy chumnuon pano chang hai vithi da ka bang hai ni ku te bang hai na knong kamrat pi ti muoy ku bang hai tiang mul ba ot te ku ti pi ku bang hai na tompo chea le đại miền nơi không còn nọ hết đi, đầm bay ở chợ chợ bà thà ta bánh hà nắng về miền mến rồi có ớt hai bên nơi tại ớt thế nông dân đầm ná ca từ mục tiền vì buộc cô bầm non khâm xá nơi mến mến đánh đó thật trăm phần năng tê cứ khâm đánh đó từ lừa khâm xá nơi bánh hà đấy miền cọt tra nơi không lừa từ búa đấy dọc một đánh đào này xâm nô nó sầm nua mình chọc thầm tha khơi tầm po nâng đai rư ọt khơi chọc thầm nâng ấy xua tầm nua xây diệt mình chẳng tê vì tầm khăn túc tầm đời bánh hà đấy miên nơi không cầm nọt trá nơi không tầm po đấy miên ca bẹp bò nì chẳng đồng nọt trái cứ thơ tê chắc bắt lọt bánh hà nâng đầm mây ơi tầm mục tiên lúc đầm nàng xạ bệ nhá ai xua bánh chạy bàn xa chứ thầm mây mà nông tiên rồi có bà chạy bà thay mấy bàn chế bà lọt lư đồng nọ sài cứ ôi bàn chế bà lọt lư xạ xây chìm buộc ca đài gọt bàn đấng thả tớ ai cái xa rùm chẳng đông nâng gọt cái bàn ôi gọt đài rì tì bà gọt chlai ở tế thờ xua phẹ bòn chì môi nâng tổng bòn ni môi đài dương buôn xùm nua nâng không ai cái xa nì đầm mê gọt bằng hàng thả tớ nâng không xùm nua đài gọt xê xua nâng gọt mên bàn bằng hàng tổng quan thì mui thì mui nước sầm nhập ở xã xây bàn khơi thế này đây đầm bay ở xã xây chay tòm nước sầm nuôi đại bàn xua đời nhẹ sầm kết thế đầm bay ông chỉ mới sầm rai tham mây và sân bờ nơi tại đó rai má mới thấy tầm mục tiền đầm nang xã bề nhà ông ta chiến. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être relativement clair. Et je vais partir du document D369-36. Tout d'abord, il y a cette question 52. Donc, cette question 52 porte mention de ce document et d'une page précise IRN. Et il s'agit de l'IRN en Khmer 0042-78-26. C'était une question qui portait sur le comité de direction du ministère des Affaires étrangères. Et il y a été répondu. En anglais, ce sont les pages 0000-32-50-51. Il n'y a pas de traduction française pour cet extrait du document D267-5-1.25. Je vais poursuivre alors pour chaque question. Pour la question 53, il est dit dans la question, dans le même document et à la même page. Donc c'est de nouveau le même document et la même page que je viens de citer. Même chose pour la question 54, qui est une question de suivi de, par rapport au contenu de ce document. Concernant la question 55, il n'est pas mentionné exactement la page d'IRN, mais il fait référence à une catégorie de personnes considérées comme incorrigibles et vous trouverez ces termes dans la page 0042-78-25 en Khmer, en français 0065-78-29 et en anglais 4x0-32-49. Pour ce qui concerne la question 56, dans l'intitulé de la question, il est très clair. On parle d'un congrès du 10 juillet 1976. Et il y a toute une section du document D267-5-1.1.25 qui concerne
Ce congrès, sous un titre très clair, congrès ou assemblée générale, le titre exact, assemblée du ministère de B1, 10 juillet 1976. C'est toute une section qui parle de cette assemblée générale et qui part des pages 0042-78-28 en Khmer jusqu'à 0042-78-57. Presque 30 pages qui parlent de ce congrès. En anglais, 4 x 0, 32-51 jusqu'à 32-72. Et en français, c'est beaucoup plus compliqué à déterminer, mais c'est 0, ça commence à 00. លោកតំណាងថាប្រេញ្ញាលឿនអ្នកបកប្រែបកប្រែមិនតាន់ទេលោកអាចនិយាយឡើងវិញអញ្ចឹងការឲ្យពេលវេលាលោកហ្នឹងគឺលោកមិនបានប្រើពេលវេលាហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពទេការសុំបន្ថែមពេលវេលាគួរតែពេលវេលាតែដែលសុំបន្ថែមហ្នឹងប្រើប្រាស់យ៉ាងណាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតឥឡូវនិយាយឡើងវិញ Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi pour cela. Donc, les pages concernant ce congrès tenu le 10 juillet 1976 en Khmer sont 00427828 jusqu'à 00427857. En anglais, 4 x 0, 32, 51, jusqu'à 32, 72. Et en français, 00, 6, 5, 7, 8, 3, 1. Malheureusement, en français, les pages ne se suivent pas. Alors, plus spécifiquement, dans cette question 56, il était question des traîtres et du contrôle de la biographie du personnel. Et là, il s'agit des pages très précises en Khmer 00-42-78-44, toujours dans les 30 pages dont j'ai parlé tout à l'heure. En anglais, 0000-32-62, et en français, 00-65-79-91. J'ai cité tout à l'heure les questions 61 et 62. La question 61, on cite explicitement la page en Khmer 0042-78-59, ce qui correspond en anglais à 4 x 0, 32, 72 jusqu'à 73, et en français 00-65-79-84. La question 62 est celle qui parle de l'écriture qui a été montrée à monsieur le témoin. Concernant la question 63, il est dit, selon les documents, dans cette question, au sein de B1, on a divisé le travail en 7 services différents. L'éducation, les plantations, le bureau, la politique, le protocole, le secrétariat et l'aviation civile. Vous retrouvez ces 7 services différents dans le document que j'ai soumis en Khmer 00-42-78-49, en anglais 4 x 0 32 67 et en français 00-65-79-89. Quant à la question 65, là, dans la question même, on fait référence à la page en Khmer 00-42-79-49. Il y a une erreur dans le libellé ou dans la transcription, disons, de la déclaration, parce que ce n'est pas 78-49, mais bien 79-49.
Oui. En anglais, c'est la page 4x0-33-36. Il n'y a pas de traduction française. Question 67. Là, il s'agit de discuter des effectifs Ashreng Chamray. Et vous retrouverez les données qui font l'objet de cette question à la page Khmer 00-42-79-28, en français 00-65-78-91, et en anglais 4x0-33-21. Alors, pour la question 68, il s'agit pratiquement de la même page et elle se poursuit alors sur la page suivante. Question 70, il y a question d'ennemis récalcitrants envoyés au centre de sécurité. Le contenu est similaire à la page en Khmer 00-42-79-41. Sous le titre 1, qui concerne des types de disputes ou d'antagonisme, et en anglais, 4x0-33-31. Et alors j'en viens à l'autre document, D-233-9, et aux questions 1 et 2 qui ont été posées aux témoins. Et vous allez comprendre ce que je disais tout à l'heure, plus précisément concernant les réunions d'introspection. Il me semble qu'il faudra que je lise quelques extraits. Les références ne sont pas citées dans ces deux questions. À ce document. Mais quand vous les lisez, tout indique qu'il s'agit bien d'une partie du document qui a été montré aux témoins, une partie du document D267-1.1.25 qui parle de la réunion d'introspection et d'autocritique tenue en décembre 1976. Et c'est une section qui s'étend des pages 00-42-79-07 en Khmer jusqu'à 00-42-79-27, à peu près 20 pages. En anglais, c'est 4x0-33-04 jusqu'à 33-20. Et en français, c'est 00-65-78-75, mais là encore, les pages sont mélangées, donc il est difficile de donner tous les numéros du diagramme. Alors, dans le passage le plus intéressant, c'est la réponse 1. Quand monsieur le témoin dit « Je pense que ce document se réfère véritablement à une réunion qui s'est tenue au ministère des Affaires étrangères. Il y a un détail qui confirme ce que j'ai affirmé, c'est le nom du camarade Hong. Et la traduction est malheureuse, il est dit « me donnant des conseils ». En fait, ce n'est pas tout à fait ça, je crois qu'en anglais c'est plus clair, on comprend que c'est le camarade Van, dont il est question avant, qui donne des conseils au camarade Hong. Et le témoin poursuit, il dit, en effet, il a vraiment existé. Donc, quand il dit il, c'est le document. Ce document fait état d'une réunion qui a eu lieu entre l'année 75 et l'année 78, car durant cette période, les réunions ont toutes été l'objet de procès-verbaux. Alors, quand vous regardez cela, plus le passage que je viens de citer, de mentionner dans le document qui lui est soumis, c'est 20 pages concernant la réunion d'introspection, vous comprenez exactement que, effectivement, les noms du camarade Van et camarade Hong apparaissent, que le camarade Hong et d'autres camarades, comme le camarade Chim, etc., font leur autocritique, et puis le camarade Van fait des conclusions, en tire des conclusions ou donne des conseils. Je crois que la réponse qui avait été donnée
par le témoin dans cette réponse 1 est vraiment claire quand il dit « Je pense que ce document se réfère véritablement à une réunion qui s'est tenue au ministère des Affaires étrangères. Je ne pense pas que le document ait pu ne pas lui être montré, étant donné ce qu'il note, et également comme il constate lui-même que son nom apparaît dans le document. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et dernière chose, à la question de ce document D233-9, il est encore posé la question, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la personne qui a écrit à la main ce procès-verbal? Et nous avons la réponse. Selon moi, la personne qui a écrit ce procès-verbal pouvait être, et il cite quatre noms, quatre possibilités, Sosé, Sun Sikun, ou bien encore M. In Sopip, ou encore ça pouvait être Ban Kit Chun également. Je ne crois pas non plus que pour cette section, il ait pu donner des noms sans avoir regardé le document ni l'écriture de qui était dessus. Voilà ce que je peux dire concernant les différentes sections et pages qui me semblent ont pu être montrées aux témoins lors de ces différentes auditions. Je vous remercie, monsieur le président. សួរបញ្ជាក់ទៅថាឯកសារដែលលោកបានបង្ហាញរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃសហជីវកម្មស៊ើបអង្កេតបានយោងបានផ្អែកជាមូលដ្ឋានក្នុងការសួរដេញដោលដែលគាត់ចងចាំដែរអត់ Merci, M. le Président. Monsieur le témoin, concernant notamment cette réunion portant sur l'autocritique où le nom du camarade Hong et du camarade Van et du camarade Chim apparaissent, est-ce que vous vous souvenez si les enquêteurs vous ont montré ce document? ជំរាបម្ដងទៀតដំបូងលោកសួរថាបានឃើញឯកសារនឹងទេខ្ញុំបានឆ្លើយថាឯកសារមកដុំនេះខ្ញុំមិនបានឃើញទេខ្ញុំទឹបតែនឹងឃើញពេលនេះឯកសារដែលតុលាការស៊ើបអង្កេតដែលផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនេះគឺមាន 2 សន្លឹកនោះខ្ញុំបានប្រាប់ថានេះឯកសារនេះចុងក្រោយឯកសារចុងក្រោយខ្ញុំបានប្រាប់ថាតើលោកចាំអក្សរលើឯកសារនេះជាអក្សររបស់អ្នកណាខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែឯកសារពីសន្លឹកដែលតុលាការស៊ើបអង្កេតឲ្យខ្ញុំជាចុងក្រោយនោះពីសន្លឹកមែន ខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ដឹងទេហើយខ្ញុំមើលក្នុងនេះឯកសារពីសិលឹកហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ឃើញយកឯកសារផ្សេងមកឲ្យខ្ញុំមើលហើយអាពីឯកសារពីសិលឹកហ្នឹងដែលខ្ញុំបានឃើញនោះក៏អត់បានប្តិតមេដៃទៀតអត់ឲ្យខ្ញុំមើលឃើញទៀតអានេះឲ្យបានតែខ្ញុំពិបាកឆ្លើយបើខ្ញុំឆ្លើយអញ្ចឹងទៅ Je vais encore essayer une question, monsieur le président.
Je vous ai demandé, monsieur le témoin, de me dire si une section de ce document aurait pu vous être montrée, puisque vous semblez dans le procès-verbal d'édition reconnaître à la fois le nom du camarade Hong, le nom du camarade Pan et le nom du camarade Chim tel qu'il apparaît sur le document. Alors, peut-être pourriez-vous regarder la page en 00 42 79 14, qui est une des pages concernant cette réunion autocritique. Et vous pourrez me dire si vous l'avez vu. Could we have the corresponding numbers for the rest of us who may wish to follow this proceedings? Pardon, en anglais, la page est 4x0 33 10, et en français 00 65 79 50. Mr. President, I'm talking about the document itself that they're showing here. Now, are they showing the gentleman his statement, or are they showing him a page from the document which they are attempting to introduce? I don't know what's going on here. Because in the statement of 233/9, and I note there was a European investigator at the time, who says, I will show you this document, and there's no number to the document, there's no page reference to the document. So what is being shown to the witness, so the rest of us can follow along, which calls into question, you know, the quality of the investigation, never mentioning what the document is. សូមអរគុណលោកមេធាវីមៃឃែលកាណាវ៉ាសូមដំណើរសាព្រេងអន្តរជាតិបង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណឯកសារឬក៏ទំព័រឲ្យបានជាក់ច្បាស់ជាពីរភាសាឬជាបីភាសាដែលយើងបានយកមកប្រើប្រាស់និងបាននឹងកំពុងតែអនុវត្តនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការ ដោះស្រាយរឿងក្តីនេះតាំងពីដើមរហូតមកយើងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅបញ្ហានេះពីព្រោះភាគីដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺមានប្រើប្រាស់បីភាសាមានខ្មែរមានអង់គ្លេសហើយនិងមានបារាំងជាវៀងបញ្ហាហ្នឹងតដែលហ្នឹងគឺគួរតែត្រូវបានចងចាំហើយអនុវត្តរបៀបតដែលនេះនិយាយតែម្ដងគឺអាចចាំរហូតដល់ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងរឿងក្តីនេះចប់តែម្ដង. Oui, Monsieur le Président, les pages ou la page en khmer que je voulais montrer, dont j'ai donné la référence, il s'agit en réalité d'un passage qui est intitulé Commentaire du camarade Hong. Et en anglais, en fait, j'ai parlé de 4x0, 33, 10, ça commence à 33, 9, et cela se poursuit jusque 33, 10. En les pages qui vont suivre, si monsieur le témoin les tourne, comporte un titre à la page 00 42 79 14, en anglais donc 4x0 33 10, et en français 00 65 79 50. Là, cela comporte un titre qui est Commentaire du camarade Van,
pour aider le camarade Hong. Une précision peut-être en français, parce que là, les choses sont compliquées. Les commentaires du camarade Hong se trouvent sur la page 0065-78-81 et les commentaires du camarade Van sur la page 0065-79-50. Donc, ce que je voudrais savoir de M. le témoin, c'est concernant ces pages particulières, est-ce que ces pages-là ont été montrées par les enquêteurs lors de son audition, puisqu'il dit avoir reconnu certains noms lorsque ils sont, ces documents auraient pu être montrés? បាទឯកសារនេះអត់បានបង្ហាញឲ្យខ្ញុំដឹងទេខ្ញុំទៅនឹងដឹងពេលនេះដែរហើយឯកសារនេះទៀតខ្ញុំស្គាល់តែឈ្មោះខ្ញុំមួយហើយខ្ញុំមិនមែនសរសេរដោយខ្លួនឯងទៀតឈ្មោះសមមិត្តហុងមតិពាក់ព័ន្ធរបស់សមមិត្តហុងខ្លឹមសារទាំងអស់នេះខ្ញុំបដិសេធ Monsieur le Président, j'ai l'impression de tourner un peu en rond, ce qui fait que je vais m'en remettre à la Chambre concernant cette décision, vu que le temps passe et que j'aimerais pouvoir avancer avec d'autres questions. ហើយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងអាចបន្តទៅចោតសំណួរផ្សេងទៀតបានសាក់សីពិនិត្យឯកសារចំនួន4នេះមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការទទួលយកឯកសារនេះទៅជូនសាក់សីពិនិត្យតាមលំដាប់លេខរៀងដូចនេះទៅ សាក់សីនៅអាចចងចាំបានទេថាឯកសារទាំង 4 ទំព័រដែលយើងបានដាក់ជូនលោកពិនិត្យអមាញ់មិញនេះលោកចងចាំទេថាលោកបានធ្លាប់បានឃើញឬក៏លោកត្រូវបានអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃសហចក្រមស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងឡុងពេលស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់លោកនៅដំណាក់កាលនោះតើគេបានបង្ហាញចំពោះលោកដែរឬទេនៅក្នុង ខណៈពេលដែលគេសួរចម្លើយលោកនោះនៅក្នុងការសួរចម្លើយនោះបានយកឯកសារឲ្យខ្ញុំពី3សន្លឹកប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅឃើញថាដូចជាមិនមាននៅក្នុងឯកសារទាំង 4 នេះទេខ្ញុំការចងចាំនឹងគឺអញ្ចឹងបានយកមកឲ្យខ្ញុំ ហើយខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹងទេអសរពីណាទេខ្ញុំបានជម្រាបលោកអញ្ចឹងបាទអរគុណណាស់ជាការពិតណាស់ដែលលោកបានឆ្លើយយ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅក្នុងកំណត់ហេតុដែលស្ដាប់ទៅខីកម្មរបស់លោកនៅក្នុងឡុងពេលស៊ើបអង្កេតដោយអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យសហចក្រមស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងឯកសារ D369/36 លោកមិនស្គាល់អ្នកសរសេរទេមិនដឹងថាណាទេបាទគឺលោកបានជាក់ច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែឯកសារនៅក្នុងចំណោមឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានឯកសារ 4 នេះដែលសំណួរគេពាក់ព័ន្ធ
dùng chẳng ôl tay mà đong bạn đây thá nơi bê đề kì dùng cho ôl bằng hai giờ biếm đi ở tùm nông chí nè sư bằng kê nó kia bằng hai giải cả xa bán chế kê giờ xế nơi nông ca bằng hai giải cả xa chị chắc bác nơi nông sầm nua tay mà đong ủ thì hò mấy những cái sầm nua tha tam ai cả xa đi bì rồi học sầm bơl sạch pram sạch mùi cho nhập hay pram yêu ân sôn sôn sai giờ bì chất sầm bay sai sầm bún thân đặc nôm của xuống miền văn chia lệ kha hong chia nụ lệ kha rương ven nâng chiêm chia sở mà chức ta lục dô lạc na ra chân na thâm bọn nít thâm trời đại rửa tì lục thâm lợi thạc bàn thâm trời bọn tay ra chân na thâm bọn chả nên đi con tay ở kết đại lục thà kết bánh hát dương nhé chìa bí nhé chìa bí bánh hát trong thà ai nẹ sư bằng kết ai lực ai cả xa tiền mũ xua lục phần tế miền tế chúng nó buôn tùm bộ bằng nó đấy quạt bàn dùng chạy chạy bà hơi bàn đặt bánh hà nó cứ nơi khăn nông tùm bộ nó nơi khăn nông sầm nua để quạt xua đấy chúng dương bàn đại chung lục bình đất đi còn ở miền ca chong chăm bằng năng đi chúng ở trong đăng rương khlâm xa chẳng mấy tí ta miền chăng mấy tí bánh hà buôn tùm bộ này nhóm xong bằng chạy thà ai cả xa đã dốc ai cả nhóm mơ nâng mình mên ai cả xa tiếng buồn ni tê bằng ta lời ni ai cả xa tiếng buồn ni tức mình nâng khơn ai cả chọn chăm rạp bọc nhóm vì miên ra chân nào xâm quán chung mua ai dạng đôi chân em mên cả bằng ta ca đại thà khlâm xa đại sở xê ní kì ta xê giang mấy giang mấy khi nhóm ọt bàn cao cho non nóng kì ọt ọt bàn mưu tê đôi khi nhóm mình thì nia khi nhóm mình thì nia tha kì ta xê nâng trâm trâu tam tam chùm non rồi bọc khi nhóm đại ni tê đôi chân ấy việc khi nhóm ca ấy đại ọt khi nhóm thì nia nâng bàn khi nhóm prui yeah, bàn khi nhóm prui nâng nâ chả lời tớ chê tha ta tuôn hơi nhân tớ nhóm khó hói bì prua mình đăng ký tờ xe giang mách nạ tờ xe nâng kết ọt ọt nhóm mưa phóng ọt ọt nhóm đặt mệt lại phóng kê tờ xe tới cho non nóng kê tờ xe tới cái vô tờ tục tử hơi vô tờ đi ca ọt thân ạ lừa tử nhóm bộ kê tờ xe khó nóng kê nhóm có ngọp tử ai miên ca phôn cho lòm bần tây và nhà há đài ông nhầm rè miên bầm non đại cơ xa bằng hai ní ถ้าประชาชนเบลูกถลอกคืนผู้ไอกระซานี่เหมือนแมนที่ไอกระซาได้แต่เสียได้ลูกตีแต่เสียได้เนี่ยเสียทีดจังประชาชนเบลูกถลอกคืนถลอกดังให้ถลอกบานตะบานดังดาวในดำนาการมุนโดยเชี่ยเนี่ยสืบมเกณฑ์จังคือครั้งแต่เชี่ยมูลท่านลงการบรรทออการดังดาวต่อแต่ทีดไอเลือกไอกระซานี่เหมือนเนาะเหมือนแมนเมียนในท้าเอาแต่ลูกแต่ตัวเขาเต้เลือกคลำซาได้ตกในขนมไอกระซานูเต้ไปพูดไอ้กระซานุ่มเหม็นที่ไอ้กระซาไอ้ลูกเซเต้นั่นไงให้บอลลูกตัวเซก็อังยมได้มันอันนี้มันดมร้ายไอ้ลูกตัวเขาเตยได้นั่นเหม็นตัวเขาเตยเต้ก่อนจะเชียร์มูลท่านต้องการดังดาวประตอบันเนาะลูกมันตรีบัตรลากาโยไอ้กระซาบุญตัวมันบอกวิ้งเชียร์บันโตอังยมได้สมยมเรียบลูกดำนางทับริญญาทาไอ้เรื่องนี้คือถ้ากดพลิกมันจองจำทีปนแต่ไอ้เรื่องมูลท่านในสมนุยจมลอยได้บันทบรวยเฮยโดยเนี่ยสืบเกตได้เมียนในขนมตนมเรื่องลูกไอ้ตั้งสมนุยตูตือเปียปอนดังปัญหานุชมพูสะใสMerci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, hier, vous nous aviez dit que lors des réunions AB1, il n'y avait pas, en fait, de réunion qui réunissait à la fois les intellectuels d'un côté et les personnes
qui était sous votre responsabilité plutôt du côté de la production qui venait de classe paysanne. Mais avez-vous participé à des assemblées du ministère, à des congrès qui étaient organisés au ministère sous la présidence de Yeng Sary? Pouvez-vous nous dire, par rapport à ces assemblées, qui était présent? Est-ce que tous les cadres étaient présents ou tous les membres du ministère de B1 ou quelle catégorie de personnes y participaient? ខ្ញុំចាំមិនអស់ទេពេលខ្លះមានភារកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសពេលខ្លះមានភារកិច្ចដោយបន្ទាន់ទៅណាទៅណាទៅក៏ខ្ញុំចាំមិនអស់ដែរក៏ប៉ុន្តែ Merci. Est-ce que vous vous souvenez d'une assemblée générale qui aurait été tenue durant le mois de juillet 1976? Chaque fois qu'il y avait une assemblée générale, combien de jours est-ce que cela pouvait durer? សន្និបាតប្រព្រឹត្តទៅតាមសភាពការកំណត់ថាកាលៈខែជួនកាលបានតែមួយអាទិត្យពីព្រោះសភាពការវាប្រែប្រួលមិនទៀងទេបាទជួនកាលមួយខែជួនកាលមួយអាទិត្យ Vous avez parfois voyagé, vous avez dit, mais à peu près à combien d'assemblées générales avez-vous assisté au ministère des Affaires étrangères entre avril 1975 et janvier 1979? Oui, je voulais savoir à combien de réunions de ce type, c'est-à-dire d'assemblées du ministère, de congrès du ministère, vous avez participé entre avril 1975 et janvier 1979, même si vous avez mentionné juste avant que parfois vous n'étiez pas là. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une idée du chiffre du nombre d'assemblées générales qui auraient été tenues durant cette période et qui auraient été présidées par Yeng Sary? Est-ce que vers le mois de juillet 1976, y a-t-il eu une vague d'arrestations au ministère des Affaires étrangères? Bah,
đăng tập mà chạp Vous souvenez-vous des motifs de ces arrestations? Donc, ma question était de savoir pourquoi y avait-il eu des arrestations massives de gens à ce moment-là, vers le mois de juillet 1976. Oui, j'entends bien, d'accord. À B1 et à l'échelle du pays, pouvez-vous nous donner, disons, les motifs ou les raisons de ces arrestations massives, si vous le connaissez? Je ne sais pas si vous le connaissez. Je ne sais pas si vous le connaissez. Việt Nam can tại bốc kia châu Mò Phnom Penh hơi. Sầm nua. Et quelles étaient les conséquences de cette attaque des Vietnamiens? Bị bắt này cả về phải bảo Việt Nam. Est-ce que vous voulez dire qu'il y avait des arrestations en lien avec cette attaque des Vietnamiens? Je ne sais pas si vous avez des arrestations en lien avec cette attaque des Vietnamiens. Vậy khi nha khăn nha nơi phụng đàn khi nhóm đăng tập bằng đăng tê Est-ce qu'on recherchait des espions vietnamiens à cette époque au sein de différents ministères? ខ្ញុំបាននិយាយពីម្សិលមិញហើយខ្ញុំអត់អ្នកជំនាញខាងហ្នឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែអប់រំបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងនៅឲ្យស្ងៀមកុំតាក់តងរហូតរហូតពីព្រោះគេប្រយ័ត្នប្រយែងទូទៅណាស់ Merci. Lors d'une de ces assemblées du ministère auxquelles vous avez assisté. Avez-vous jamais entendu Ning Sari dire que le pays trahissait, était rongé
à raison de 1 à 5%. Et que dès lors il fallait suivre à la trace les biographies et suivre à la trace les réunions d'introspection. L'avez-vous entendu dire cela? ពាក្យប៉ិចអតនីខ្ញុំអត់ចាំទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាំជារួមថាឲ្យត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នប្រុងប្រយ័ត្នបដិវត្តឲ្យខ្ពស់កុំឲ្យដបទីក្នុងយើងនេះខូចទឹកចិត្តរវើរវាយអំពីទស្សនៈស្នេហាជាតិខ្ញុំយល់តែប៉ុណ្្នឹង Être ultra vigilant dans la section de la sécurité, dans le bureau de sécurité de B1, est-ce que cela voulait dire découvrir les ennemis qui rongeaient de l'intérieur, par exemple? Vous souvenez-vous, monsieur le témoin, d'un épisode où deux filles auraient été trouvées en train de mener des opérations de trahison dans le ministère? Je me base toujours sur le document que je n'ai pas pu montrer, monsieur le président. Est-ce que vous avez entendu dire Yeng Sari lors des assemblées générales ou des réunions d'introspection qu'il fallait redoubler de vigilance à l'égard Ce type de réunion a-t-il été dit que dans la section des intellectuels, il manquait de cadres de la classe paysanne ou de la classe ouvrière pour rééquilibrer cette section? Khyom ot cham te pontae khyom lu ta trâu tae teu mok tiet trâu tae bong rien kuma kon neak krai kro oy cheh thveu ka ngie doich panya chun. Est-ce que vous connaissez le camarade Moon? Donc ce sera Moon. Je vais l'appeler M-O-E-U-N, qui travaillait au ministère des Affaires étrangères.
phết ấy sẽ mạ mượt mươn đại lúc này xua mình nâng phết ấy Je ne connais pas le sexe de cette personne, mais apparemment c'est un cadre du ministère. Si vous vous souvenez des différents cadres du ministère, pouvez-vous me dire s'il y avait quelqu'un qui s'appelait Meun? Est-ce que, monsieur le témoin, lors des réunions d'introspection, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était chargé de prendre des notes de ce que les différents cadres disaient quand ils s'autocritiquaient et aussi des observations, des conclusions qui étaient faites par Yeng Sari à la fin, comme vous nous l'avez dit hier. Est-ce qu'il y avait des notes qui étaient prises? Aïe, ça, mien ka kot tra, kla, kla, ot mien ka kot tra te. Aïe, ça, na, sam khan, kot tra. Aïe, ça, na, man, sam khan te, ot kot tra te. Qui était chargé d'écrire ces comptes rendus en général au sein du ministère des Affaires étrangères pour ces réunions précises d'autocritique? ក្នុងក្របខណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំស្វ័យទិទាននេះអត់មានកំណត់នោណាមួយទេគឺអ្នកណាគាត់បានបណ្ណាយកបណ្ណុងហើយទុកដាក់ខ្លួនគេទៅ Mais vous venez de me dire qu'il y avait des comptes rendus qui étaient rédigés de certaines réunions. J'entendais des comptes rendus qui pourraient être partagés avec les différents participants à cette réunion. Est-ce qu'il y avait des comptes rendus, par exemple, tapés à la machine de ces réunions? Je ne sais pas si vous avez des comptes rendus. ដូចជាប្រជុំទៅបរទេសសន្តរកថាអីផ្សេងៗនោះក្រសួងផ្នែកបរទេសគេកត់ត្រាជាសំខាន់ឯផ្នែកខ្ញុំនេះខាងជីវភាពឯនេះអត់ទេអត់មានកត់ត្រាអីជាសំខាន់ទេបាទ Est-ce qu'il a jamais été dit lors des assemblées générales ou des grandes réunions comme vous dites, est-ce qu'il n'y a jamais eu des cadres qui ont rapporté le fait que la population avait faim, que c'était la famille? À quelle période cela a-t-il été rapporté pour la première fois? Je ne sais pas si je peux dire ça, Monsieur le Président, mais dans le document qui n'a pas pu être présenté, il était question dès 1976. Est-ce que vous avez entendu des cadres en parler d'une façon ou d'une autre à ce moment-là et pas uniquement en 1978?
tăng bị chăn nằm một con rồi chết sập một mũi mau một lẽ mình thà bị chăn nằm một con rồi chết Est-ce que vous avez compris la question, monsieur le témoin? Lok sa sai ta lok yol somnou khnyom da re te. Som mlang tiet. Est-ce que un ou plusieurs cadres en 1976, lors de réunions au ministère des Affaires étrangères, avaient déjà fait part de leur inquiétude du fait que la population n'avait rien mangé. បញ្ហានេះការអត់ឃ្លានជាទូទៅគឺអត់ឃ្លានហើយសង្គ្រាមប៉ុន្តែការដែលមិនអនុវត្ត ចំពោះខ្ញុំរាយការណ៍ខ្ញុំមិនសូវធ្លាប់ដើរដល់ខ្ញុំដើរទៅឃើញខ្ញុំច្រើនតែនៅមន្ទីរដល់ដើរទៅឃើញខ្ញុំក៏រាយការណ៍ដែររាយការណ៍ហ្នឹងកំណត់ហេតុជាថ្ងៃជាខែដូចខ្ញុំជម្រាបហើយ Merci monsieur le témoin. Est-ce que vous avez souvent visité vous-même les campagnes du Kampuchea démocratique entre avril 1975 et 1979? Pouvez-vous nous dire à quelles occasions vous êtes allé sur le terrain? Est-ce que vous avez souvent visité les campagnes du Kampuchea? ពាក្យទស្សនកិច្ចខ្ញុំមិនមានទេពេលនោះមានតែធ្វើការងារប៉ុន្តែខ្ញុំបានជូនភ្ញៀវខ្លះៗភ្ញៀវតូចតាចភ្ញៀវជាកសែតជាអីហ្នឹងដល់ទៅប្រជាជនចេះតែមកប្រាប់ខ្ញុំថាមានកម្មាភិបាលធ្វើបាបអេឡិចកើតអីហ្នឹងទៅខ្ញុំកន្លែងខ្លះក៏អត់ À partir de quelle année avez-vous accompagné des délégations étrangères qui étaient, elles, en visite au pays et donc vous avez peut-être voyagé à l'intérieur du pays? À partir de quelle année sous le régime du Kampuchea démocratique? Donc deux par année, vous voulez dire, à partir de 1975 ou plus tard? Est-ce que vous avez accompagné des délégations étrangères ជំនុំឡាដល់ពីឈិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរទេហើយលោកអាចជម្រាបបានទេថាប្រហែលនៅពេលណាដែរខ្ញុំ
ọt miên đal ban chun pratiphu chân tê krai pi nu khnyom chun Pouvez-vous nous donner les nationalités des délégations que vous avez accompagnées durant la période du Cambodge démocratique? Peut-être pas toutes, mais quelques nationalités de ces délégations. Sai Amrit nhom scroll chmua đi. Est-ce que vous avez aussi accompagné une délégation belge qui était de l'association Belgique de l'amitié belgo-cambodgienne? Cum mật hiệp rovien Campuchia nang Belgique darité. Bad nhóm ban chun. Est-ce qu'à cette occasion, à la fin des visites des délégations, il vous arrivait de vous rendre avec eux à K1 pour rencontrer Pol Pot? Nhóm chăm ọt bàn bàn. Est-ce que vous avez accompagné aussi une délégation laotienne qui était venue au pays en 1977, si je me souviens bien? Nhóm ọt bàn chun tế. Tê, được nhóm bàn chun đây và từ Pung Saum, và từ Pung Saum. Monsieur le Président, je voudrais simplement montrer quelques photos qui pourront nous éclairer. Il s'agit de nouveaux documents, un document qu'on a mis au dossier en avril l'année dernière. Alors la première photo que je voudrais montrer, c'est P00-51-36-12. Et peut-être qu'on peut montrer les trois en même temps aux témoins. La deuxième photo, il s'agit de P00-51-35-92. Et enfin, la troisième, P00-51-34-20. Je vais demander l'autorisation de les projeter à l'écran et de les montrer aux témoins en copie papier. Rup thot tang bay ni na loe ekrang hai nang som chun aik sa cham long te sa say. Oh, yom rea na nyat, som chuen. Montrei rata ba tala ka tu tul aik sa pi nam nang sa pri nyan tra chiet chun te sa say binet. Hai nang an nyat oi bong hai rup thot ni na loe ekrang computer. Alors, je vais commencer par la première photo. Si vous prenez, monsieur le témoin, la photo 00-51-36-12. Voilà, elle est affichée à l'écran. Pouvez-vous nous dire qui vous reconnaissez sur cette photo en commençant par la droite? Tí muối nhóm khơi đôi chia có mình sơ chá ba đại tê bảo hai chia bằng yên giả đi.
Le khang kroy ke no 1 2 3 mop ko mon seu chbas dae kon prahael bong nuon chi ban ma mok ni mop ban bong khiel samphon ban chbas ta pan nang te ba chbas hai nang prahael. Est-ce que vous vous reconnaissez sur cette photo également? Ta lok skwal rup lok ptoal neu leu rup thot nih dae ru te? Doi che khmien rup khnyom te, pel nu khnyom neak tatul bai tuk khmien pel hei mau ta neh te ba. Qui est ce grand, élégant jeune homme tout à fait sur la droite dont le corps est malheureusement coupé par la photo? Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Dans le groupe quoi, dans d'acte bien grand, dans le groupe quoi, groupe thon dans la rue thế. Nhóm đội quoi thì đội ni đội đà ra đấy đội ở quoi mà. Alors peut-être la deuxième photo, si vous pouvez nous décrire où cela peut avoir eu lieu, c'est la photo P00513592. Donc on voit des personnes qui descendent des marches. Est-ce que vous reconnaissez des personnes du gouvernement cambodgien et également de la délégation étrangère qui était en visite? Kana pratapu dal mo tesanakich nou prateh khmae. Pratapu lau ni khnyom phlech chmu hai. Bto pe ni mo khnyom skol tae bong khiel samphon. Kroy mo tiet vi mon seu chbas khnyom mình ai cầm nót than nó na ban thế bà. Savez-vous où la photo a pu être prise? Ta lúc đăng thà rút thon ấy thon nó là lại na đại rứ tế. Vu ni chi rú thon cana phu. Qu'est-ce que cela pourrait être comme? Tam rút thon nó chẳng lúc ai sẵn than tha thon nó là lại na đại rứ tế. Bà khi nhóm bài ọt ọt đăng tế bà chân đòn nông phía đã cách đạp bái cho phi bà hò mó tờ điệp rồi bài tất ai. Peut-être simplement mais très rapidement la troisième photo toujours prise avec les mêmes personnages, il me semble. P00513420. Si on peut la projeter, reconnaissez-vous l'endroit où cette photo officielle a été prise? Il s'agit apparemment d'une grande maison. Rup thot ni ba khnyom mon chalom te prahael che ke hai ta pteah leik 1 residong chah no ban. Est-ce qu'il s'agit toujours bien de la visite de la délégation laotienne? Et est-ce que vous reconnaissez des membres du gouvernement ou des cadres du Cambodgien démocratique sur cette photo? Pat Phu Lau khnyom mon skwal te ai rup mien bong yeng seri bong khieu samphon.
ក្រោយពីនឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេមើលអត់ច្បាស់មិនដឹងនរណាអូមានម្នាក់ទៀតនេះខាងស្រីបងយើងទីរិទ្ធបងយុនយ៉ាតអេនេរីម្នាក់នេះទៀតខ្ញុំក៏អត់ស្គាល់ដែរ La personne qui est à côté de la troisième femme sur cette photo, est-ce que c'est vous? Un serviteur sur une photo officielle, monsieur le témoin, vous êtes sûr? Ça, c'est le cotané qui est roup ne bambra, le roup thot qui pleuka, le pacote, non, car de tinka santan babnino. Pel no, que qui promo, ne, yom yolta qui promo, ne, la turca, ne chum nung, yom bap yulna. គឺថាពេលនោះអ្វីៗស្មើគ្នាទាំងអស់ណាមានភារកិច្ចសន្តិសុខគឺមិនអាចមកអញ្ចឹងបានទេដូចខ្ញុំខាងសន្តិសុខអត់មកឈរអញ្ចឹងបានទេប៉ិនមែនតណៈធំដូច្នេះបែបមានប្រតិភូអីគេចង់ថាអូអ្នកបំរើមកថតអីជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងគេស្មើភាពគ្នា Merci. Merci. Concernant cette délégation laotienne qui est venue au Cambodge, est-ce que M. Yeng Sary les a accompagnés sur le terrain? Est-ce qu'il était là à Siem Reap? Et peut-être de manière plus générale, est-ce que vous savez si Yeng Sary accompagnait parfois des délégations importantes sur le terrain au Cambodge? Thank you, Mr. President, and Your Honors. Last week we saw vigorous objections coming from the prosecution and from the civil parties where there were compound questions. And this is a three-part question, particularly the last part. If we're going to keep a clean record and we know exactly what the witness is answering to, part one, part two, or part three of the question, I suggest that we break it down into simple one fact per question. Thank you. Merci, oui, c'est une bonne idée. Je voyais l'heure qui tournait et je me disais que la pause allait arriver. Donc je vais reprendre simplement en coupant les questions. Est-ce que lorsque vous êtes allé à Siem Reap avec cette délégation laotienne, est-ce que le ministre Yeng Sary était là aussi? មានវត្តមាននៅទីនោះដែរឬក៏អត់មិនចងចាំទេតែខ្ញុំអត់បានជូនប្រតិភូនេះទៅសៀមរាបទេ Pardon, vous aviez dit effectivement Lorsque vous êtes allé à Kampong Som, Alors j'en viens à une question plus générale. Est-ce qu'il est arrivé à M. Yeng Sary d'accompagner des délégations importantes
notamment lorsqu'il s'agissait de ministres ou de chefs d'État étrangers sur le terrain au Cambodge entre avril 1975 et janvier 1979. Mais il recevait des délégations. D'accord. Est-ce qu'il allait sur le terrain? C'était ça la question. Quand il allait sur le terrain. Merci, Monsieur le Président. Je vois que l'heure a avancé, il est 10h40. Est-ce que c'est un moment important pour faire une pause? Elle a appelé sa maman de Braille. On y a bien pour qu'à ce moment-là, je vais vous dire que c'est un moment de mouille. Je vais vous dire que c'est un moment de mouille. Et je vais vous dire que c'est un moment de mouille. Je vais vous dire que c'est un moment de mouille. ហើយនឹងអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់ទឹកខៃកម្មវិញរួមជាមួយនឹងមេធាវីប្រឹក្សារបស់គាត់នៅវិលីម៉ោង11សូមអញ្ជើញលោកមេធាវីសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពលោកស្រីចៅក្រមដោយសារបញ្ហាសុខភាពហើយដែលលោកអៀងសេរីយំបាក់ក្នុងការបន្តអង្គុយនៅទីនេះលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សាវនាការនេះសម្រាប់មួយថ្ងៃនេះពេញតែម្ដង ប៉ុន្តែសូមចូលរួមសកម្មភាពពីបន្ទប់រងចាំខាងក្រោមអាស្រ័យនេះសូមលោកប្រធានមេត្តាពិចារណានិងសម្រេចតាមសំណាសូមអរគុណអរគុណអង្គុយចុះបានស្ដាប់សំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតអ៊ីនធរីដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈវិធីការពីក្រីបកតស្នើសុំលះបង់សិទ្ធចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះដោយបន្តតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ពីសម្រាប់អំឡុងពេលសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះដោយបញ្ហាមូលហេតុសុខភាពអង្គជំរះសម្រេចយល់ព្រមតាមដំណើរសុំរបស់ជនរដ្ឋអ៊ីងសេរីដែលបានស្នើសុំតាមរយៈមេធាវីបកគាត់សូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះដោយទើបបន្តតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមបន្ទប់សកម្មភាពនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់ដំណើរការសកម្មភាព ពេញមួយថ្ងៃនេះចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ចប់សកម្មភាពនៅពេលរសៀលតែក្រុមមេធាវីការពារក្តីត្រូវបកគលមកអញ្ញប្រះភ្លាមនៅលិខិតលះបង់សិទ្ធចូលរួមសកម្មភាពដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពរបស់លោកអៀងសេរីប្រកបឲ្យផ្នែកសតួជាប់ប្រព័ន្ធសតួសម្រាប់ជនជាប់ចោតរូបនេះអាចតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយសម្រាប់កិច្ចដំណើរការសកម្មភាពជាបន្តសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយប្រកបឲ្យនរៈវិធីឃុំឃាំងនាំ ខ្លួនជនជាប់ចោតអ៊ីងសេរីទៅកាន់បន្ទប់ខាងក្រោមដែលមានរៀបចំទុកជាស្រេចឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោតរូបនេះអាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោមចូល